15-19, l'after sur Radio FR. Il s'appelle Dylan, il est de Champotet en dessous, près de Ria, en Gruyère. Il vient de sortir son tout premier titre et clip Vachi Contact Mouna. Bonsoir Dylan. Comment Bonsoir. Ça va? Bonsoir monsieur. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous faites du hip-hop? Moi je fais du hip-hop parce que j'ai la haine contre la société, contre les flics et le système et les injustices sociétales. Voilà ce que disent mes collègues rappeurs. Moi, je fais du hip-hop parce que j'ai des choses à dire. Moi, je suis issu d'une famille de paysans, je suis paysan moi-même. Mais c'est pas parce qu'on est paysan qu'on écoute de la youtz, qu'on pue la buzz et qu'on a eu d'œil c'est. Ouais, il faut tout balancer, je veux dire, pour devenir connu et se faire des meufs, motherfucker. Malheureusement, c'est ça la tendance. Moi, je suis contre. Moi, je trouve qu'avec les filles, il faut être soi-même, il faut prendre le temps, que les choses se passent naturellement. Parce que de nos jours, il faut tout de suite, et puis c'est ça qui est dommage. Mais c'est clair qu'il faut tout de suite. On vit aujourd'hui, on vit maintenant, on vit pas demain. Demain, la planète, mec, elle aura explosé. Boum ! Écoute-moi, bon, espèce d'excité. Le bon paysan, il doit être à l'écoute de ses bêtes. Et le bon rappeur, il doit être à l'écoute de lui-même. Mais il doit être ouvert sur le monde de rappeur gros mongol. Toi, t'es renfermé sur toi-même, là. T'étais comme un gros égoïste de ta race. Et puis moi, je suis tellement vénère que je dois fumer pour pas péter un plomb. Bon, doucement, Dylan. Je me lève tous les matins à 5h et je finis à 20h le soir. Alors le soir, je suis plus tellement vénère, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai encore un peu de force pour rapper. Mais tu rappes le fromage, toi. On t'appelle la rap à gruyère, toi, c'est ça, toi. Eh, le boeb, tu veux une amocha ou bien... Bon, Dylan, faites attention quand même, hein, parce que là, les studios sont quasiment en train d'exploser. Hein. Bon, Dylan, on a bien compris qu'il y a une dualité en vous. Presque une rivalité, on a envie de dire, entre frères, on dirait, mais vous vous appréciez quand même. Bon, carrément. Mais c'est une rivalité qui est saine, monsieur, vous savez, on fait un peu exprès comme ça pour rire. Mais ça fait partie du mouvement. Moi, je dirais que le respect, il est obligatoire entre nous, mais sinon, c'est la guerre, quoi. La guerre à l'intérieur de nous. Moi, j'écoute toujours ce qu'il dit, mon grand frère. Mais même qu'il est un peu... qu'il est pas bête, mon frère, mais qu'est-ce qu'il est chiant, là. Ouais, ben, moi, je dois dire que personnellement, je lui foutrais bien une gifle aussi de temps en temps, mais je dois reconnaître son talent. Bon, vous me dites si je me trompe, mais je vous trouve quand même assez complémentaires, tous les deux, non? Absolument. Il est un peu spécial, mais il m'inspire. Hein. Il est tout le temps énervé contre quelque chose, il fait plaisir. Bon, merci, frère, peace and love. Voyez, le problème, c'est que dès qu'on s'entend trop bien, on produit plus rien, et puis c'est nos différences, voyez. Et le conflit qui génère la matière artistique. Mais vas-y, mais quel bâtard! Comme il sort ses belles phrases à la radio, comme il se la pète, là, le gros bouseux de Champoteau en dessous! Mais ta gueule un moment, donc! Tu l'ouvriras quand tu iras bosser un peu, non? Mais vas-y, ramasse ta bouse! Tu finiras tout seul comme on veut, plan! Mets la molle, madame! Vachi contact moon! Amant les gens! Mais Dylan! La vérité! Tu veux de la bonne?